Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, dans le cadre de la célébration de l'an 2 de la transition, nous recevons comme invité sur ce plateau le général de corps d'armée Daoud Yahya Brahim, ministre des armées, des anciens combattants et victimes de guerre. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Monsieur le ministre, nous vous recevons ici dans le cadre de la célébration de l'an 2 de la transition. Vous êtes en charge de la défense. Est-ce que d'entre deux jours, vous pouvez nous présenter de manière succincte votre ministère dont vous avez la charge? Bien, d'abord merci à vous et à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je voudrais d'abord vous signifier que mes prérogatives sont déjà définies sur le décret portant structure du gouvernement et les attributions de ses membres. Je suis en charge du ministère des armées et de la doctrine militaire et de la politique des armées dans le gouvernement de transition 2. Ce qui signifie, vous saviez, le ministère des armées est différent des autres ministères sur quelques spécificités. Nous avons une mission qui est bien tracée, une mission de la défense de la patrie et de l'intégrité territoriale du Tchad et des personnes et leurs biens. Oui, tout de suite, dans votre présentation, vous parlez d'une doctrine. Est-ce que vous pouvez un peu plus édifier nos téléspectateurs sur cette doctrine-là? Oui, bien sûr, quand je dis doctrine de l'organisation militaire et de la politique des militaires en ce qui concerne la défense de patrie, dans le cadre organisationnel de l'armée, je suis assisté d'un chef d'état-major général des armées qui est chargé de l'organisation de l'armée nationale tchadienne. D'accord. Oui, après cette présentation, mon général, alors dites-nous comment fonctionne donc ce ministère pour ne pas... On sait que c'est la sécurité. Bien sûr. Le ministère, d'abord, lui, il fonctionne... il est composé, d'abord, le ministère est composé d'une direction de cabinet, des conseillers techniques et des conseillers chargés de mission, et un état-major particulier qui a sa tutelle des directions de services qui sont à savoir la direction des ressources humaines, la direction du protocole, la direction de la coopération militaire, la direction des affaires administratives et financières et du matériel et les organes qui sont la Caisse nationale des retraités, la CAMA, l'Economa qui dépendent également du ministère des Armées. Oui. Tout de suite, dans votre présentation, vous nous avez dit que comment fonctionne donc le ministère de la Défense. Aujourd'hui, quand on parle des armées, quels sont les corps qui composent ces ministères? C'est-à-dire, dans ces ministères, nous rencontrons aussi les policiers ou bien comment? Pour un peu bien, la composition. D'abord, l'armée, le ministère des armées est en charge de la Défense nationale, à savoir d'abord le chef d'état-major général des armées, qui a sous tutelle le commandant de l'armée de terre, le commandant de l'armée de l'air, le commandant de la garde présidentielle qui est la DGSE, la DGSAT qui est le PC, et la GNNT et la gendarmerie qui sont sous la tutelle du chef d'état-major au temps de guerre. Mais pour la sécurité intérieure, ils sont détachés au ministère de la Sécurité publique. D'accord. Voilà les organes qui sont sous la tutelle du ministère des Armées. C'est-à-dire la police n'est pas sous... Non, la police dépend. La police est un corps paramilitaire. Il dépend du ministère de la Sécurité publique. D'accord. Oui, monsieur le ministre, nous parlons donc, comme à l'entrée de jeu dans la présentation, nous disons que cette émission, nous réalisons cette émission ici dans le cadre de la phase 2 de la transition. Est-ce que vous pouvez nous rappeler succinctement comment sommes-nous arrivés à cette période de transition? Bien, merci. D'abord, quelles sont les principales étapes qui nous ont conduits jusqu'à ce niveau-là? D'abord, vous savez que nous avons d'abord commencé par la transition phase 1, qui a été très difficile pour l'armée nationale tchadienne
Et je remercie les forces de défense et de sécurité pour avoir instauré la sécurité et la stabilité du pays après la mort du maréchal Idriss Déby Itno sur le terrain. Donc c'est pour vous dire que c'est grâce aux forces de défense et de sécurité que nous avons maîtrisé le pays, nous avons eu à instaurer l'autorité de l'État, la stabilité dans le pays et les frontières du Tchad. C'est grâce au ministère de la Défense nationale, qui est le ministère des Armées. Oui. Vous avez aussi participé au dialogue national inclusif et souverain. On avait vu aussi des hommes entrailler en salle. Alors, vous, en tant que chef du département de ces hommes entraillés, quel a été donc votre sentiment pour avoir participé au dialogue, surtout que c'est un dialogue qui s'est tenu avec toutes les sensibilités sociopolitiques, y compris aussi les ex-politico-militaires? Vous savez, je retiens un sentiment satisfaisant de ce dialogue inclusif, dans la mesure où nous avons... moi, personnellement, je n'ai pas assisté au dialogue, mais j'ai désigné des officiers supérieurs et généraux qui ont pris part à ce dialogue inclusif et qui, toutes les filles et fils du Tchad, ont échangé et ont cherché à refonder un pays, une nation où tout le monde doit participer. Et vous savez, la main tendue du président de la République à l'égard de nos frères politico-militaires qui ont aussi assisté à ces dialogues après l'accord de Doha. Vous savez, je suis très émerveillé de rencontrer tous nos frères d'armes qui ont assisté et avec tous les problèmes qu'ils ont vécu dans ce pays, ils sont surmontés pour être présents à ce dialogue dont les résolutions sont aujourd'hui en phase d'exécution de ce dialogue. Donc je voudrais saluer ce dialogue parce que l'armée a véritablement assisté. Nous avons désigné des officiers. On a suivi de bout en bout le dialogue inclusif qui nous a permis aujourd'hui de rassembler tout le monde et d'avoir une assemblée issue de tous les souches du Tchad, pourquoi pas les politico-militaires qui sont aussi aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui donnent leur point de vue dans l'avenir et dans le processus démocratique du pays. Mais ce n'est pas tout le monde qui a participé à ces dialogues nationaux inclusifs et souverains. Nous avons aussi des politico-militaires qui n'ont pas aussi eu à participer à ces dialogues, y compris ceux de la société civile. Alors s'il y a lieu aujourd'hui à laisser un message à ses compatriotes qui n'ont pas participé à cette grande messe, quel serait donc le message du général Daoud? Le message est clair. Je voudrais une fois de plus encore adresser mon message à tous les fils du Tchad qui sont à l'extérieur du pays, qui n'ont pas rejoint encore le pays, et ceux qui sont aussi réticents et qui n'ont pas assisté à ce dialogue, d'être parmi nous pour que ce pays-là soit bâti, parce que nous sommes en train d'aller vers un état de paix, un état de droit, et où tout le monde, tous les fils du Tchad et les filles du Tchad ont le droit d'apporter leurs us pour que le Tchad devienne un Tchad meilleur, un Tchad de paix, un Tchad de démocratie, et un Tchad où tout le monde a le droit de gérer la chose publique. Voilà, donc, vous savez aussi, grâce aux hautes autorités de ces pays. Et le Tchad aujourd'hui, hier, nous avons libéré les éléments de fact et les éléments de l'insurrection du 20 octobre qui sont aujourd'hui amnistiés et libérés et qui se retrouvent parmi leurs familles. Je pense que c'est une bonne chose et les paroles ont été déjà exécutées. Je tiens à remercier les hautes autorités du pays d'avoir prendre de telles initiatives pour que la paix règne au pays, pour que tous les fils du Tchad soient ensemble et égaux et aient le même sens de gérer le pays ensemble et d'être à la même hauteur d'onde. L'ensemble du peuple tchadien recherche ici la paix pour une bonne cohabitation pacifique. Et pour rappel à ce dialogue national inclusif et souverain, un point a été particulièrement mis sur le processus du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion. Alors, où en est-on en ce moment-ci avec ces processus? Évidemment, nous sommes très avancés dans ce cadre de DDR, parce que déjà,
Nous avons saisi tous nos partenaires qui doivent nous accompagner à mettre en place tous les moyens financiers et matériels afin qu'on puisse prendre les politico-militaires qui ont une force derrière eux à réinsérer dans la vie civile pour ceux qui le veulent et pour ceux qui veulent être militaires qui peuvent aussi être dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Nous sommes très avancés et dans les jours qui arrivent, vous allez constater vous-même l'évolution de cette DDR. Mais en termes de l'apport de partenaires, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'apport de certains de nos partenaires? Parce que là, quand on parle de la démobilisation, le désarmement et la démobilisation et la réinsertion, ça évoque au moins plusieurs aspects. Nous avons par exemple l'aspect de cantonnement de ces ex-politico-militaires, la logistique est là. Est-ce que tout ce qu'il y a derrière pour accompagner ce processus? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure que nous sommes très avancés dans ce processus parce que nous avons déjà même ciblé les cantonnements de ces gens du nord à l'ouest, au sud et à l'est. De les rassembler et de nous attendons juste les moyens et vous verrez dans les jours à venir que les démarches seront déjà entreprises sur le terrain. Vous avez aussi parlé de l'apport de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain. C'est vrai, quel est donc leur apport dans ces processus, dans cette phase de transition, que ce soit la première phase et la deuxième? Bon, l'apport, vous savez qu'aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité ont joué un grand rôle dans la stabilité et la sécurité du pays dans la phase transition 1. Nous avons instauré toujours l'autorité de l'État, la stabilité du pays sur toutes les frontières du Tchad, en commençant d'abord par la frontière Tchad-Soudan. Nous avons les forces mixtes Tchad-Soudan, que nous avons une unité de forces de défense et sécurité qui travaille main à main avec les forces soudanaises pour la sécurité des personnes et des biens à la frontière de l'Est. Nous avons à l'Ouest, dans les îles du lac Tchad, que nous avons la force multinationale qui, avec une unité de forces de défense et sécurité qui sont aussi là pour sécuriser les pays et qui ont réduit les capacités de nuisance de la secte Boko Haram. Aujourd'hui, il y a une stabilité relative à l'ouest du pays. Concernant le nord du Tchad, nous avons des unités, nous avons mis des dispositifs, des opérations militaires, des unités qui sont en train de sécuriser le côté nord et le côté sud, où nous savez que nous avons aussi des unités opérationnelles qui sont là au niveau du sud du pays, entre nous et la RCA, qui stabilise le pays. Oui, quelquefois, un peu pour toucher à votre sensibilité, Monsieur le ministre, quelquefois on dit que ces forces de défense, quelquefois, sont aussi source d'insécurité. Que répondez-vous à ces allégations à l'endroit de certains de nos concitoyens? C'est une question très pertinente que vous, les journalistes, vous êtes en train de toujours la poser, mais je suis certain et je suis sûr de moi que chaque fois qu'on apprenne qu'il y a des brebis galeuses qui emmerdent nos citoyens, nous sommes à mesure de les prendre. Et vous les avez vus toujours, nous sommes en train de les montrer à la télévision. Il y a des gens qui peuvent avoir des intentions de malfaiteurs que nous avons aussi toujours pris et mis à la disposition de la justice. Mais d'une manière générale, je pense que le Tchad aujourd'hui sévit d'une paix relativement calme. Dans toutes les frontières, nous avons des dispositions qui sont prises pour sécuriser les personnes et leurs biens. Et le pays d'une manière générale. Oui, le pays d'une manière générale est en sécurité, dans le calme, la population vague normalement à ses occupations et c'est donc grâce à ses forces de défense et de sécurité. Mais en retour, qu'est-ce que le gouvernement est en train de mener comme action en faveur de ses compatriotes qui veillent jour et nuit à la sécurité de nos populations? En fait, qu'est-ce qui est fait concrètement en termes d'amélioration des conditions de vie De nos soldats. Merci. Vous savez, les soldats aujourd'hui, depuis l'arrivée de la première transition et jusqu'à nos jours, la deuxième transition, les hautes autorités du pays ont amené un bouffé d'oxygène
sur le salaire même de nos soldats. Aujourd'hui, nos soldats, en matière de salaire, je remercie les autres autorités pour avoir amélioré leur salaire. Nous avons créé des organes que vous avez vus même à l'Assemblée, qui sont en train d'accompagner notre soldat dans sa vie pendant ses exercices de travail. Nous avons l'Economa, nous avons la CAMA, nous avons la Caisse des retraités militaires qui doit être seule. Nous avons la bancarisation des salaires de soldats qui aujourd'hui a déjà vu le jour et que nous sommes en train de mettre en place dans toutes les banques de la place, que le soldat doit avoir aussi le droit de prendre un crédit afin qu'il puisse s'acheter tout ce qu'il voudra dans sa vie. Donc je pense qu'aujourd'hui, et tous les outils de travail sont déjà mis à la disposition de nos unités pour accomplir leur mission, les missions qui leur sont assignées. Vous savez, aujourd'hui, le salaire, une fois déjà amélioré, la bancarisation des salaires des soldats, les outils de travail sont déjà en place, mis en place à toutes les unités qui sont opérationnelles. Et non seulement ça, les officiers qui sont d'une part déjà, on leur a doté de véhicules, qui sont déjà véhiculés, vous n'allez pas voir un général qui va aller en pied, c'est déjà une bonne chose. Moi, je pense que le gouvernement, depuis la première transition jusqu'à nos jours, a mis beaucoup de moyens pour que le soldat soit en mesure d'accomplir sa mission. Vous pouvez encore nous parler un peu succinctement de la sécurité au niveau de nos frontières. Est-ce qu'il n'y a pas de bruit de bottes dans nos frontières? Mais je vous rassure qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans nos frontières à l'est, nous avons la force Tchad-Soudan, qui est composée d'une grande unité des forces de défense et sécurité tchadiennes qui travaillent main à main avec les forces soudanaises pour sécuriser tout le long de la frontière entre le Tchad et le Soudan. Nous avons du côté de l'ouest, entre le Niger, le Nigeria et le Tchad, nous avons la force multinationale, la FMM, qui est composée aussi d'une grande unité des forces de défense et sécurité qui sont en train de travailler et de sécuriser la zone du lac Tchad. Vous savez, aujourd'hui, vous n'avez pas écouté que les Boko Haram ont fait tel ou tel, c'est grâce à la vigilance de nos forces de défense et sécurité. Du côté du nord, entre nous et la Libye, vous savez, de l'autre côté, la Libye, nous ne voyons pas un État capable de sécuriser chez eux. Nous sommes en mesure de sécuriser les nôtres parce que nous partageons une frontière de plus de 1500 km entre nous et la Libye et nous avons des unités opérationnelles qui sont basées, qui veillent nuit et jour à la sécurité de notre pays et du côté de la RCA, où nous avons, comme vous le saviez, quelques emmerdements à l'époque par le Wagner, que nous avons mis en place aussi des unités opérationnelles qui sont en train de veiller sur cette frontière. Oui, des rumeurs parlent d'une rébellion en gestation vers le sud. Et que dites-vous, monsieur le ministre? Mon frère, je te rassure que je ne peux pas te dire une rébellion, c'est peut-être des petits bandits. Mais à ma connaissance, il n'y a pas une rébellion réel vers le sud du Tchad. Et ça, peux te le confirmer. Vous nous confirmez? Oui. À nos téléspectateurs? Oui. D'accord. Monsieur le ministre, nous sommes dans une phase de transition. Globalement, s'il faut faire un résumé par rapport à la sécurité pendant la première et la deuxième phase de transition, alors êtes-vous satisfait de ce bilan? Écoutez, le bilan est clair. Hein. Je pense que le citoyen, même la personne qui est dans la rue, peut te donner exactement le résultat de la paix au Tchad. Aujourd'hui, tout citoyen peut quitter N'Djamena pour aller à Adré, à Baïbokoum, à Rigrik, sans aucune barrière qui le frustre. C'est déjà la paix. Cette paix, regardez un peu les pays voisins. Je pense que vous allez me dire, vous n'allez pas me dire le contraire. Alors, et la paix, c'est un comportement. La paix, c'est un comportement, comme je l'ai dit. Il faudra qu'on soit tous animés d'une volonté de paix pour que ces pays-là se développent. Donc nous avons tous le devoir d'abord d'animer notre paix, de laver les cœurs entre les Tchadiens, d'être tous ensemble et égaux. Et je pense que cette paix-là va s'instaurer elle-même, si vraiment nous avons la volonté et le cœur blanc.
d'avoir une paix réelle dans ce pays. Donc je demanderai à tous les citoyens de nous aider, nous en tant que en charge de la sécurité du pays, de nous aider dans la réussite du développement de ce pays, et nous appelons tout le monde à y adhérer. Oui, votre message dans le cadre de la lutte contre les conflits agritaires éleveurs entre les différentes communautés. Oui, ça c'est un message qu'on a toujours envoyé à tous nos citoyens, parce que il ne sert à rien de se battre pour un problème de puits ou d'un terrain quelconque. Le Tchad est vaste, il est à 1 284 000 km². Je pense que ça peut nous suffire tous, avec un chiffre de 14 ou 15 millions d'habitants. Et il n'y a rien de plus grave que de voir des communautés s'entretuer, comme on l'a vu le passé, on ne le souhaite jamais. Et je lance un appel de paix et de cohésion et de respect entre les uns et les autres. Votre message de fin, mon général ? Mon message est un message de paix. Et le paix, c'est un comportement, comme je l'ai toujours dit. Il est dans le cœur des hommes, et les hommes sont appelés toujours à être propres et d'oublier le passé. Et le Tchad nous appartient tous, et nous avons tous le devoir de gérer la chose publique ensemble. D'accord. Merci pour avoir répondu à certaines de nos préoccupations qui vont certainement édifier nos téléspectateurs sur ce que le ministère de la Défense est en train de faire en matière de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le ministre, nous tenons vivement à vous remercier d'être passé ici. Merci. Sur le plateau de la télévision nationale du Tchad. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous venons de recevoir sur ce plateau le général de corps d'armée Daoud Yahya Brahim, ministre des armées, des anciens combattants et des victimes de guerre. Nous l'avons reçu ici dans le cadre de la célébration de l'an 2 de la transition. Au revoir. Merci.